30e édition des Foulées de Rosneau aujourd'hui. 500 participants pour cette course populaire qui a rassemblé des valides, mais aussi des personnes handicapées. 125 d'entre elles se sont alignées sur le handbike, un marathon en fauteuil roulant. Les explications d'Arnaud Rapp avec Bernard Stemmer. 19 ans déjà que ça mouline à Rosneau le samedi de Pâques. Une première partie de journée consacrée au handbike et qui compte comme épreuve qualificative pour l'European Handbike Circuit. C'est pourquoi ce sont les meilleurs mondiaux qui sont ici, 124 participants issus de 15 pays. Il faut venir ici. C'est un rendez-vous incontournable de début de saison qui me permet d'évaluer mon niveau de forme par rapport aux autres coureurs. Il n'y a vraiment que des athlètes de haut niveau ici. Et c'est un bon indicateur pour voir où j'en suis. Et à la clé, trois records mondiaux à 44,7 km/h de moyenne et le marathon effectué en 1 heure et 35 secondes. L'épreuve est qualificative pour Tokyo 2020 et compte pour la Coupe de France pour les athlètes tricolores. Mais les Foulées de Rosneau, c'est depuis 30 ans le rendez-vous des coureurs de tout niveau et de tous âges. Quatre grandes épreuves, comme la course des jeunes de 9 à 11 ans et la fameuse populaire de 2000 mètres, remportée cette année par une jeune Strasbourgeoise de 19 ans. Je suis contente de ma course parce que je reviens de 2 mois de blessure. Donc j'ai de bonnes sensations, ça s'annonce bien pour la saison. Des courses ouvertes à tous qui ont deux finalités, l'effort et la solidarité. Les bénéfices de la manifestation de ce week-end sont reversés à des associations caritatives ou sociales. Et donc c'est de pouvoir allier le sport, un cadre magnifique aujourd'hui avec la météo, et puis aussi d'avoir ce côté solidaire. En fin d'après-midi, la très attendue course des 10 km avec à la clé un titre de champion d'Alsace, cette année pour Omar Tarek, une course effectuée en 32 minutes et 7 secondes. Quant à la course aux œufs, pour les plus jeunes, il faudra attendre demain, ici toujours à Rosneau.